Là, d'habitude, genre, je suis dans mon lit. Bon, on en a fait un hier déjà. C'est vrai ? On a bu de l'eau, beaucoup d'eau. Vous recevez pas des lettres de crème fraîche, Isini ? Si tu pouvais changer une chose dans ton parcours sur les réseaux, ce serait quoi ? Bisous ! Coucou. Vous voyez, c'est ça mon problème. C'est que là, on est lundi 12 février. J'ai posté ma vidéo YouTube hier, littéralement hier, le 11 février. Et je me suis dit, ok, je vais faire une petite pause, je vais pas filmer ma semaine dans ma vie. Non, c'est faux. Je n'arrive pas, je suis accro, vraiment. Bah du coup, c'est reparti. Une semaine dans ma vie. Au programme du jour. Alors, en gros, aujourd'hui, j'ai une très grosse journée. J'ai un tournage dans un café. Enfin, je sais pas trop si je vais tourner ou pas encore. À voir. Ensuite, j'ai un tournage à la Tour Eiffel pour un restaurant. Et après, bah, je vais passer mon après-midi à monter. Un peu organiser ma semaine aussi parce que c'est une très grosse semaine pour moi. Et après, j'ai rendez-vous dans un endroit. C'est Chloé qui m'a donné rendez-vous pour une surprise. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Écoutez, on verra. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Mercredi, j'ai plein de rendez-vous aussi pour un autre projet. Il se passe trop de trucs. Genre, vraiment, je suis trop content. Et je sais pas si vous vous rappelez de mon mois de janvier et tout qui était un peu down. Mais là genre c'est trop bien. Bon après genre je suis très fatigué. Mais c'est de la bonne fatigue et je stresse plus du tout. C'est-à-dire que je prends au jour le jour. Si jamais je vois que ça va pas, j'éteins mon portable et je coupe tout et je réponds pas aux gens. Voilà, c'est vraiment ce qui m'aide. Ça peut paraître égoïste, mais juste en fait j'ai la fâcheuse habitude de dès que je reçois un mail de répondre dans la seconde, ce qui n'est pas forcément bien. Pareil pour un message ou quoi. Et là en fait dès que je me sens un peu trop surmené, je coupe tout. Et voilà, je pars. Bref, sur ce, je vous emmène. Je sais pas si ça va être très intéressant aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail. Peut-être que je vais vous oublier. Mais après, je vous oublierai. Je vous mettrai le rush d'avant, mais en gros, je parlais, mais le micro était pas allumé. Voilà. Du coup, je disais que j'étais à Buki parce que je tournais une vidéo qui sortira plus tard et sur YouTube. Et voilà, en fait, j'ai décidé que j'allais vous emmener cette semaine dans ma vie encore une fois. Donc, vous allez devoir me supporter. Et ouais, ça fait très fatigant. Et là, on va aller à la Tour Eiffel parce que je vous ai dit que j'allais tourner pour un restaurant. Donc, je vais vous montrer ça. C'est parti. M'en voulez pas si la vidéo elle dure moins longtemps qu'avant parce que j'aurais peut-être moins de trucs à dire et j'aurais juste moins de temps. Sinon, je vais mourir. Bisous. Vous me voyez pas? Regardez, je viens d'aller chercher mes nouvelles lunettes. Je suis trop content. Genre là, vous vous rendez pas compte, mais je revois la vie en autre définition. En gros, je suis astigmate et j'avais plus de lunettes depuis un an et demi parce qu'elles étaient cassées. Et là, regardez. Bref, let's go à la Tour Eiffel. Bon, comme vous avez pu le voir, j'étais à la Tour Eiffel. Je suis rentré par les escaliers, genre de staff et tout. Enfin, c'était hyper impressionnant. J'ai jamais allé, je crois, à la Tour Eiffel. Bref. Du coup, là, je rentre. Il est 15h. Je vais monter toute l'après-midi, juste avant la surprise que j'ai ce soir. Je suis trop excité. J'ai tellement de choses à faire. Mais genre, mon corps, il suit pas, là, comme moi, comme ma tête. Bref, c'est parti. Pour vous faire un petit topo, il est 18h30. Il y a Chloé qui va me rejoindre. Je ne sais toujours pas où je vais ce soir, je ne sais toujours pas ce que je fais. Mais bref, ça a été une journée plus compliquée que ce que je pensais. En fait, je l'appréhendais tellement facilement qu'il y a tout qui m'est tombé dessus un peu. Et j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Bah voilà, mood. J'ai fait une énorme crise d'angoisse là, de 16h à 18h. J'ai mon œil qui tremble encore. Pourquoi? Bref, ça va aller. Je viens de poster une vidéo sur Instagram. Allez la voir, si vous ne me suivez pas encore. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos derrière YouTube dans les commentaires parce que je sais pas trop quoi faire à part raconter ma vie. Peu intéressante au final, je ne sais pas pourquoi vous regardez, mais soit, j'adore partager en tout cas. J'ai fini le montage pour le restaurant, je suis trop content, ça rend trop bien la vidéo. Je sais pas ce qui m'attend, je vous ferai un topo demain, je sais pas si je vais pouvoir filmer, je sais pas si je vais emmener ma caméra, on verra. Il y a Chloé qui m'a rejoint, donc elle va m'emmener dans un endroit où je ne sais pas toujours. Elle a ramené un colis où il y a marqué livre dessus. Je sais pas si j'emmène ma caméra ce soir ou pas. Peut-être que demain je pourrais pas vous parler. Il sera mort. En fait. Peut-être c'est un guet-apens. En fait. Est-ce que je pars au Mexique? J'aimerais bien qu'on parte au Mexique, mais pas encore. Peut-être que demain matin on sera en réveil à Punta Cana ou à Hawaï. Oh, let's go. J'aimerais trop. Bisous.
Bon, c'est parti, on rapporte ses livres. Je sais pas ce qu'elle a dans ce sac. Bah des livres. Oui, des livres. Elle m'a dit qu'on rapportait des livres et après on va boire un verre. Il est 20h, il y a la lune. Donc je vais continuer à vlogger. Je sais pas ce qui va se passer ce soir. Ouais, mais bon, je pense que tu prévois un truc quand même. Parce que genre, c'est pas normal de me faire sortir un lundi soir. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc ouais, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi je porte des livres? Est-ce que j'ai vendu mes livres? Là, d'habitude, genre, je suis dans mon lit, pas en train de dormir, mais en train de manger, genre, tranquille. Oui, bah écoute, on sort de sa zone de confort, on va offrir des livres. Là, je sors trop de ma zone de confort. Tu rentres? Vas-y. Avance. Je peux pas lâcher ça. C'est le livre, c'est une bibliothèque. Genre c'est un dîner au point ou ça là? Ouais, c'est ça. Ah, c'est arrête. Il est ravi. C'est trop bien, genre tu... L'odeur de la mer. Littéralement, tous les matins, je prenais mon vélo. Écoute ça, le vlog. Tous les matins, je prenais mon vélo. Je traversais les parcs de La Rochelle, je traversais le bord de mer et j'arrivais au lycée. Hein? Combien sur 10 pour cette vie? Voilà. Ouais, c'est pareil ici avec le Ghana Saint-Martin, sauf que ça pue. Voilà. Tu vas mettre un gros blur, genre. Joyeux anniversaire. Allez, souffle. Allez. Et on va nous danser la danse du lit. C'est quoi la danse du limousin? C'est pas notre meilleure bouteille, mais ça me fait plaisir. Merci, chef. Ça me fait casser le Et nous allons danser. C'est un superbe livre que t'as là en tout cas. Ouais, il est magnifique. Il est même pas droit. C'est toi qui l'as fait? Tu l'as porté toute la journée. Non mais... PTDR. Ça tremble. Oh pardon. Oh mais Théo, stop. Ah, mais heureusement qu'elle est pas pleine. Hein. Bon, on en a fait un hier déjà. C'est vrai? Mais quoi? Ah. Tu pourras au moins voir ça, mercredi. Pour des raisons évidentes de bienséance, je ne pourrais pas mettre tous les rushs. Pauvre, tu es sorti hier soir. Coucou! Je peux pas vous dire l'heure qu'il est. Je peux pas. En vrai, il est 11h30. Je me suis pas réveillé. Je me suis réveillé à 8h, qui est déjà extrêmement tard pour moi. Comment vous dire? J'ai passé une excellente soirée. Vraiment très bonne soirée. Faut que je vous explique. En gros, Chloé m'a emmené à une soirée. Enfin, je pense que je vais mettre les rushs avant parce que ma caméra a fait un world tour du bar. Mais en gros, c'était une soirée d'anniversaire. Je ne savais pas, j'étais pas au courant. Waouh, merci. Je sais pas quoi dire, je suis trop nul à ça. Merci beaucoup. Vraiment, c'est trop bien. C'était trop bien. Le bar, allez-y, le restaurant. Je mettrai l'adresse juste là. Incroyable, incroyable. On a mangé, on a bu de l'eau, beaucoup d'eau. Je suis rentré vers 1h30, 2h. Bah, c'est pas compliqué, en fait, il y avait plus personne dans le bar à part nous. Autant vous dire que j'ai annulé toute ma journée. Voilà. Sinon, j'ai reçu des cadeaux. Ils m'ont offert des cadeaux. Regardez, je vais vous montrer. Je le voulais tellement, je le voulais tellement. C'est le livre de Super Lumos, Le Recueil des Douceurs. Je suis trop content, genre vraiment tellement content. J'ai trop hâte. En fait, c'est un livre où il y a des recettes, mais aussi, il raconte beaucoup sa vie, des récits et des leçons de vie, en fait, qu'il a vécues. Et je trouve ça incroyable, vraiment. Donc, voilà, je suis trop content. Vraiment, j'ai trop hâte. Et j'ai reçu... Attention, préparez-vous. Je suis trop content. Merci, merci, merci. Vous voyez pas ce que c'est, en fait. C'est un mousseur à lait. À lait en italique. Ça a l'air incroyable. On va le tester. On est d'accord que personne ne lit ces choses. Waouh. Alors, je vous ai pas attendu, j'ai mis du lait dedans. Je suis désolé, je suis vraiment un peu à l'ouest en ce moment. Donc là, je l'ai lavé et tout. Là, normalement, il faut que je... Et là, faut que j'appuie. Vas-y, mousse. J'adore, je suis trop fan. Je vais me faire un petit matcha. En fait, je pense que si je l'arrête pas, il s'arrête pas. Ok, c'est bon. Matcha. La mousse, mais regardez. Oh, vraiment, la mousse. La mousse. Non mais... Je suis choqué, ça marche trop bien. Regardez-moi ça. Moi, je vais profiter de mon matcha en repensant à hier. Ou pas d'ailleurs. Je sais pas ce que va donner cette journée.
quoi cette coupe? On n'est pas dans les choristes. Si vous saviez comment je suis heureux que cette journée se termine. Elle était cool, hein, mais juste un peu longue. Elle est pas finie, en vrai. Là, il est 18h. Je me suis posé avec petit thé pour me détoxifier. Mais je n'ai pas oublié l'essentiel. J'ai pris une madeleine à la rose, comme ça. Et un cookie, que je vais garder aussi. Du coup, petit goûter. Oh. Wow. Ça a l'air incroyable. Je suis choqué, on sent bien la rose. Par contre, c'est pas les meilleures madeleines que j'ai mangées. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais monter pour changer. Et non. Vraiment, là, le but ce soir, c'est prendre soin de soi. Juste faire une soirée off, penser à tout ce qu'on a fait. Et je pense que je vais lire le livre de Super Lumos. Je vais commencer. Et petite soirée chill. Voilà, très sympa. Ah, regardez ce que j'ai reçu. Une petite enveloppe, une lettre. Et c'est Isigny, la crème fraîche. Je trouve ça hilarant. Ils m'ont envoyé des remerciements et leur le meilleur vœu. C'est un peu tard, mais je prends. Vous recevez pas des lettres de crème fraîche Isigny? Non, ils sont adorables. En plus, j'avais fait une collab avec eux pour Tableau Paris. J'avais fait des stories. C'était incroyable. Leur fromage, enfin la crème fraîche aussi. Oh. Bon allez, je vous laisse. Bisous. Pu le voir, on est mercredi 14 février, je suis très reposé, trop reposé, pas fatigué du tout, j'ai très bien dormi, j'ai même recouché, genre je me suis levé en fait, je me suis dit, oh non, encore un peu, je fais jamais ça d'habitude, voilà. Aujourd'hui, c'est journée rendez-vous, j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui à faire, rendez-vous avec un client à 11h, ensuite c'est que des rendez-vous pro, dont des rendez-vous pour un projet secret qu'on peut pas, enfin que je peux pas encore vous dire, voilà. Et après ce soir, j'organise une petite soirée chez moi avec Chloé et son ami. Très 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 sympa. De toute façon, je vous emmène avec moi. Délicieux. Bah, qu'est-ce que vous avez manqué? Rien du tout. Vraiment, j'ai bossé un peu. J'allais me balader et c'est à peu près tout. Là, il est 11h20. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je fais mon rendez-vous. Ensuite, je vais manger et ensuite, je pars directement à Odéon pour aller chercher des cookies, de Holy Cookies, j'ai trop hâte de vous montrer, bien sûr. Et après, je rejoins Chloé à 15h pour faire notre premier rendez-vous et après, ensuite, un autre rendez-vous. Et à 18h, je reviens ici, je cuisine et après, bah, petite soirée, tranquille. Je sais pas si je vais vous filmer, bah aussi, je sais que je vais vous filmer, en fait. Vous avez vu les cookies, c'est pour ce soir. Du coup, j'ai pris le dessert, trop content. Merci à Holy Cookie. Je mettrai l'adresse en description et sur la vidéo. Maintenant, go au rendez-vous, je suis en retard. En gros, là, je vais à un rendez-vous pour un projet qui sortira, je l'espère, plus tard dans l'année, vers les beaux jours. Je sais pas encore si ça va être possible, donc là, aujourd'hui, ça va être la journée un peu décisive. Regardez qui j'ai retrouvé. J'étais grave confuse en mode qu'est-ce qu'il fait le. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je suis bien rentré. Alors, là, il est 18h, j'ai une heure pour décorer tout mon appartement pour la soirée parce que je leur fais une surprise pour cuisiner et je vais installer toutes les petites décos là. Regardez, là voilà, j'ai acheté plein de trucs, donc je vais tout installer ça. J'espère que ça va le faire. Je dois filmer un TikTok en même temps, je dois, comme d'hab, en fait, je dois faire plein de trucs. Bon allez, je vais vous poser, c'est parti. Thank you.
Regardez-moi ça, avouez, c'est pas trop beau? Ouais, je sais, je fais jamais ça, mais vas-y, je me suis déterre. En vrai, c'est mignon, et là, les petits cookies Dolly Cookie. Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, franchement. Bah, je vais monter, du coup, en les attendant. Bisous. Oh, c'est trop kiki. Vraiment, prenez tous exemple. Arrête, c'est génial! Coucou, oui, il est tôt. Je me suis couché tard, mais en vrai ça va. Juste, je pense que je vais être fatigué aujourd'hui. En gros, j'avais réservé une séance de pilates là, comme jeudi dernier. J'avais grave kiffé et tout. Mais là, j'arrive devant la salle et en fait, j'ai de moins en moins envie d'y aller. Non. Donc en fait, je sais pas. Peut-être que je vais aller me balader, prendre un petit café et juste aller voir le lever de soleil parce que du coup, là, il va se lever. Je sais pas. J'ai oublié comment ça fait du bien d'avoir du temps le matin, parce qu'en fait ça fait deux matins que je me lève. Bah soit je me laisse se lever trop tard comme mardi, soit genre je prévois pas, enfin genre j'ai pas prévu et tout. Mais là ça fait tellement du bien, je suis trop heureux vraiment. J'avais jamais remarqué qu'il y avait la tour Eiffel ici, genre pourquoi elle est là? Vous voyez, ça c'est un truc que je ne fais jamais, prendre du temps. Juste comme ça là. Là il doit être 8h30, toute la journée devant moi. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de choses alors que j'ai juste annulé un cours de sport. Ça aussi on n'en parle pas. Mais avant j'aurais jamais pu faire ça. Mais juste je me suis levé, j'y suis allé, en fait j'avais pas envie. Le fait de se dire ouais j'ai pas envie de faire ça et de s'écouter, d'écouter son corps. Avant j'étais incapable de le faire, genre fallait absolument que je fasse une séance de sport dans la journée. Et là en fait j'avais pas envie. Un peu la flemme aussi je vous avoue. Et je me suis posé beaucoup de questions, genre en y allant j'étais ah ouais mais tu vois t'es pas motivé, t'en veux pas dans la vie, t'as aucune motivation. Non, je sais que j'ai de la motivation là, c'est juste que je suis fatigué et que j'avais pas envie. Voilà. C'est trop beau, c'est trop agréable. Vous pouvez pas savoir à quel point je me retiens de ne pas courir. Genre, je vois tout le monde courir, je suis là. Bientôt, bientôt. Programme de la journée, là je vais rentrer tranquille. J'ai une recette à faire, justement, ça tombe bien. En vrai, je pensais ne pas avoir le temps et tout, mais là je vais avoir le temps. Et après la recette, j'ai rendez-vous chez le kiné à 14h. Après, je rejoins Chloé pour un événement et après, on va au restaurant. Au final, en fait, les journées, elles se ressemblent de ouf. Mais en fait, vous voyez, elles se ressemblent, ok, mais c'est pas pareil à chaque fois. Chaque fois, il se passe un truc, chaque fois, on rencontre quelqu'un, chaque fois, c'est quelqu'un de différent. On verra. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je rigole. Du coup, là, on va faire la recette. Je vais vous poser quelque part, comme toujours. Qui c'est qui m'envoie des messages? Pas intéressant. Du coup, on va faire la recette. Je vais vous poser quelque part. Je sais pas où j'ai mis mon trépied. Il est là. Et c'est parti. Attention, c'est une recette un peu originale. Oh mon dieu, regardez la tuerie, voilà, incroyable. Je vais pas la découpe pour la vidéo. Il y a un moelleux, c'est incroyable. Il ne s'est littéralement rien passé depuis. J'ai mangé, le gâteau est excellent. C'est un peu le bazar là. Voilà, voilà ma vie. Donc là, il est 14h, je vais aller à mon rendez-vous, je vais aller au kiné. Ça me saoule un peu. Je vous avoue que j'accuse un peu le coup là parce que, en gros, genre j'ai essayé de recourir, je pouvais pas m'en empêcher, mais 15 secondes. Et je sentais que j'avais encore hyper mal et tout. Voilà, je me dis que c'est pas grave. Bon, je vous reprends après le kiné, parce que c'est pas intéressant pour vous, ni pour moi. Je vous fais juste cette petite capsule pour vous dire que là, ça me saoule.
Genre j'ai pas envie d'aller chez le kiné, vraiment je n'ai pas envie. En fait j'ai l'impression que ça me sert à rien, là ça fait 3 semaines que j'y vais, y a rien qui s'améliore, genre même c'est pire limite. Je travaille pas les bons trucs, enfin j'ai mal toujours. Il me dit non c'est là qu'il faut travailler, mais j'ai dit mais non moi j'ai mal là. Oh. Voilà, ça fait partie de la vie aussi. Comment on se retrouve? J'ai envie de dire la même chose pour moi. Bah oui, bah du coup oui. Comme on se retrouve. On n'est pas allé à l'événement, mais on va directement au restaurant. Au final, on passe aux choses sérieuses directement. Et je préfère. J'aime bien quand on va droit au but, moi. On va à la taverne de Zao, mais je vais vous montrer. C'est une invitation, c'est un restaurant. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le restaurant qui nous a invités. Et c'est les pâtes qui font 2 mètres, là, vous savez. Enfin, vous savez pas, mais vous allez voir. Ah, c'est là! Zao! Du coup, on est arrivé, je sais toujours pas ce que je prends. Non, en vrai, je sais pas, en entrée, je sais pas. Hein. Ah, en entrée, bah s'il y a plusieurs trucs, on partage. La ticodon, vas-y, ça me tente. Orange, je propose. Je vais crever. On refait le jeu des questions qu'on avait déjà fait dans une ancienne vidéo. Je sais pas si vous en rappelez. Focus. Vas-y, pose tes questions. Bonjour, j'en ai marre d'être là. Si tu pouvais changer une chose dans ton parcours sur les réseaux, ce serait quoi? Ne pas faire autant de viennoiseries. Crois-tu qu'il faut nécessairement être sournois pour réussir dans ce milieu? Non, on peut être honnête dans le milieu des réseaux sociaux et malheureusement il y en a qui ne sont pas assez. Je ne citerai pas de nom, comptez pas sur moi. Non, mais de plus en plus haut le truc, bientôt on verra un peu qu'on met en front. C'est quoi ton objectif principal dans ta vie en général pour 2024? Mon objectif 2024 c'est de moins être sur les réseaux mais plus en vrai. Hashtag ça fait réfléchir. À bon entendeur. Donc là, c'est un pâtis-codon. Je sais pas ce que... Non, c'est pas ça. C'est un légume bizarre de... qu'on connaît pas. On va goûter. C'est inconnu. C'est pas bizarre, pardon. C'est inconnu, c'est inconnu. C'est quoi ton plus gros red flag? Mon plus gros red flag, c'est un... Mon plus gros red flag, c'est le manque de communication. Est-ce que tu as peur de l'avenir? Professionnellement parlant, non. Parce que j'ai vachement confiance en moi professionnellement parlant. Par contre, personnel, effectivement, je suis tétanisée. Et vous, ça va? Est-ce que tu aimes les Uber? Je peux. C'est pratique pour m'emmener dans des super endroits, j'espère. Un peu tard parce que là il est 10h et je suis en route pour un tournage. Je dois aller revenir à la Tour Eiffel pour refaire des plans. Hier soir c'était trop cool, mais j'étais juste KO. Vraiment j'étais claqué. Genre à 21h30, mon corps il a commencé à lâcher. J'avais plus de force. Voilà, un peu mieux, mais j'ai hâte d'être le week-end. Normalement ce soir je fais rien. Je vais peut-être dormir finalement. Voilà, cet après-midi je vois une pote. On va prendre un petit café ensemble. Journée très tranquille. Après je vais bosser. J'ai toujours c'est tranquille, mais il se passe toujours des folies, donc je dirais rien. C'est vrai que c'est grand quand même. Bon, j'ai fini mon tournage, ça s'est bien passé. Juste, il a plu. Genre, horrible la Tour Eiffel, mais qui va la voir? Du coup, là, je rentre vite fait, je monte, je mange. Ensuite, je rejoins Charlotte à Strada Café. J'ai trop hâte. J'ai jamais testé le café, donc voilà. Et après, je rentre chez moi pour travailler un peu. Et je déconnecte. Et je coupe, enfin. C'est dur de pas couper, je vous en parle tout le temps et tout, mais c'est dur. J'arrive pas, vraiment, je suis accro au travail, accro à la création. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Je viens de rentrer. Mais c'est quoi cette coupe? Mais c'est de pire en pire. Oh là là. Je viens de rentrer. Je pense que ça va être le moment de vous quitter. Là, on est vendredi soir. Il est 19h. Que vous dire? Quoi dire? Cette semaine était un peu chaotique. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais en fait, non, c'est ma vie. Mais je sens qu'il y a un truc qui est en train de changer. Dans le sens où je vais beaucoup mieux. J'arrive à dire non. J'arrive à me faire ce qui me fait plaisir. Je sais quand prendre des moments pour moi. Et là, vous voyez, j'ai reçu plein de trucs ce soir avant de rentrer et tout, parce que j'étais en train de prendre un café avec une amie. Et juste, je répondais pas. Et là, je suis sorti, j'ai regardé les messages, j'ai fait « Oh, plus tard ». Mais je me mettais beaucoup trop la pression. Je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bref, n'hésitez pas à liker, je sais pas si on dit ça comme ça, à commenter et à me laisser un petit message sur Instagram ou sur YouTube.
Bisous.